Salut, j'espère que tu vas bien. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui et surtout de voir que derrière le rideau, eh bien, le soleil est revenu en fait aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Et ça fait plaisir. Alors, tu sais quoi? Aujourd'hui, je ne travaille pas et ça fait encore deux fois plus plaisir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite soupe que je me suis préparée, un petit truc à la carotte, un truc sympa, plein de vitamines, ça va faire du bien. Et on va aller rejoindre la moto, alors, et on va profiter un petit peu de ce beau temps pour aller rouler avec cette nouvelle moto, comme je te l'ai dit dans les différentes vidéos auparavant. J'ai changé la moto, j'ai trouvé ma nouvelle monture. Est-ce qu'on va les faire? Eh bien, on va aller découvrir cette nouvelle monture. Je vais te faire découvrir cette nouvelle monture, et on va prendre direction la route autour de chez moi. À mon avis, j'ai quelques endroits qui me tardent d'aller voir. Et je vais profiter de ces instants-là, eh bien, pour t'y amener avec moi et surtout partager ce moment avec cette nouvelle moto qui va nous amener cette année à faire de belles balades, de belles rencontres et aussi donc un projet voyage de 6 jours, 5-6 jours. Donc je te l'annonce directement déjà, tant que je suis là, ce sera dans les Vosges. Dans la Vosges, et je pense que ce sera la route des Crêtes. Et si tout se passe bien, je serai certainement accompagné de quelqu'un que tu connais déjà peut-être. Mais bon, on va pas aller plus loin. Entre-temps, je prends ma petite soupe et on va se retrouver au garage, on sort la moto et on prend la route. Bon, nous allons prendre la route et profiter un petit peu bien de cette moto déjà pour la ressentir un peu parce que j'ai pas eu l'occasion de la tester encore de nouveau. Sauf quand je suis venu la chercher. Alors c'est sûr que ça change de la bobeur. Hein. Alors j'espère que le son te va. C'est un peu la première fois que je vais tester l'utilisation en mode vlog, hein, si on veut, sur la route, de ce casque équipé. J'avais déjà essayé quand j'étais parti en Bretagne, mais je n'ai pas pris assez le temps de faire différents tests et malheureusement ça n'avait pas bien fonctionné. Alors là je vais profiter un petit peu aujourd'hui de retester ce matériel. Alors bonne reprise sur cette moto, tout de suite on sent qu'il y a quand même des chevaux. Alors, bien sûr, on est d'accord, hein, 15 chevaux ça c'est pas non plus cylindré, mais pour une 125, eh bien, on voit tout de suite qu'il ne faut pas grand chose pour qu'elle puisse repartir, et ça c'est appréciable. Voilà. À l'époque, c'est vrai que dans les années 2000, quand ils avaient sorti cette 125 Varadero et en même temps la Shadow, c'était deux moteurs identiques. Deux moteurs avec un moteur équivalent, c'était à l'époque sur ce fameux moteur W, hein. Ce bicylindre, voilà, c'était ce fameux moteur bicylindre anglais, et très orienté sur la route. Hein. C'est plus une moto pour adhérer à des kilomètres, faire des kilomètres. Et se faire plaisir. Là, je suis à 80 km/h sur
nationale. Et franchement, voilà, on se sent bien, la nourriture, la sens, sans aucun problème. Ça fait plaisir, je peux te garantir que de reprendre le guidon. Voilà, on va retourner sur, sur la route. Continuer notre balade. Alors je me suis arrêté parce que je voulais tester un peu mon drone. Ah, c'est pas toujours évident quand tu as du nouveau matériel comme ça. Mais faut prendre son temps et puis manipuler et voilà, le faire dans des conditions optimales qui te garantissent une sécurité pour ne pas le perdre parce que ça coûte quand même. Et ne pas abîmer non plus les infrastructures que tu peux avoir autour de toi. Donc là, je m'en vais direction. Je sais pas trop où en fait. Hein. On va un petit peu se balader et découvrir un peu la région. De fermes ici, on est un petit peu en région on est en Flandre hein, donc c'est vrai que c'est tous les parcours du Tour des Flandres, ces petites routes avec ces champs de betteraves. Et bien on se retrouve ici, donc je me suis arrêté dans ce petit village dans la région de René en Flandre. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette Varadero? Premier point, du plaisir. Ça c'est sûr et certain, que du bonheur à conduire. Une moto qui a quand même pas mal d'années, une moto qui date depuis 2000, donc on est en 2024, alors voilà, 24 ans déjà. Que ces motos sont sorties sur le marché, elles ne se produisent plus hein. Depuis 2008, voilà, la production a été terminée. Alors moi j'ai la, comme je te l'ai dit en amont, la deuxième version, la version injection. Bien, qu'est-ce qui est vraiment agréable sur cette moto, c'est le confort de conduite hein. Position haute, le dos droit, on a vraiment un visuel total sur la route et ça c'est vraiment le top. Comparé à ce que j'avais auparavant, la petite Yuzung Bobbers, cette Bobbers Custom qui était aussi très très sympa, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir avec, mais vu ma grandeur, voilà, je suis quelqu'un qui est un peu imposant, pas par, je suis plutôt athlétique parce que je fais beaucoup de sport, mais voilà, je fais mon poids et la Bobbers bien me tassait un petit peu le bas du dos, en tout cas pour moi. Celle-ci ici, je retrouve vraiment le confort, j'ai vraiment les bras bien, bien posés, pas tendus mais vraiment bien. Ces deux rétroviseurs donc en amont aussi fixés sur le carénage donc juste à côté du pare-brise et ça te donne vraiment un champ d'action sur niveau visuel et ça c'est bien. Le top case que tu vois derrière, un top case donc quand même d'un volume assez important, ce qui me permet de mettre pas mal de choses. Là je mets mes caméras, je mets voilà, mon drone, etc. Mais très 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 agréable à conduire et franchement ça prévoit de belles balades à venir et ça c'est bien. Ce que j'ai rajouté c'est aussi bon voilà un petit support, moi je veux dire un espèce de portefeuille qui se colle comme ça sur le réservoir. On a deux par crash bar, c'est comme ça qu'on ça s'appelle, hein, des deux crash bar donc, qui permet d'avoir un certain volume mais aussi une protection au niveau du carénage de cette moto. Un petit sabot moteur un peu plus bas, un petit sabot moteur. Au niveau pneumatique, eh bien, c'est donc des Pirelli qui ont été mises. Hein, voilà, on a ici donc, deux Pirelli, un avant et de l'autre côté ici. Voilà. Ici on a ces Pirelli, donc ils ont été récemment changés, hein, donc les pneus sont neufs. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc de l'autre côté, tu le vois peut-être pas à travers la caméra, mais je te ferai un plan.
le pot d'échappement, donc la sortie de pot a été changée, une sortie de pot en inox, et ce qui permet quand même d'avoir un son un petit peu rauque, et au niveau sécu, c'est bien aussi d'entendre son moteur, parce que ce sont des moteurs 15 chevaux bicylindres en V qui développent 11 kW exactement, et ça te donne une puissance à peu près de vitesse de pointe à 120 km, ce qui est fort appréciable, mais la moyenne totale c'est on va dire 95, 100, 105 km/h, et c'est super appréciable sur les petites routes de campagne, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Au niveau entretien, c'est des motos qui nécessitent, pas énormément d'entretien, hein, je veux dire une vidange une fois par an, voilà, un check-up total, faire attention à bien retendre sa chaîne, après, entre 500, 700 km. Je ne suis pas un grand technicien moto, hein, donc je suis prudent dans ce que je dis. Au niveau de la selle, donc c'est une selle d'origine Honda. Tu retrouves vraiment cette selle confort. C'est un peu une selle, comme une selle confort, mais bon, voilà, d'origine Honda. Et j'ai déjà testé donc, en me mettant à l'arrière comme ça. Et bien franchement, on est quand même bien assis, même en deuxième place comme ça. Voilà, on est vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. La personne elle peut s'attacher ici sur les côtés. Et on a les supports cale-pied aussi qui sont bien pensés. C'est vrai que c'est une moto qui a 20 ans, mais une moto qui me convient. En fait, c'était vraiment ça que je cherchais dans la 125. Et je pense qu'en tout cas, il y aura de belles choses à venir pour cette année. Voilà, je voulais te faire une petite vidéo simple, une vidéo, petite vidéo vlog hein, sur ma nouvelle moto. Non, j'en ai souvent parlé. Et ça me fait vraiment plaisir de te la partager. Voilà, la Varadero, un modèle que je t'invite vraiment à découvrir si toi t'as envie de tester la 125. Tu peux en trouver à des prix quand même très très convenables. Ça va de tout. Celle-ci, moi j'ai acheté 2000, si je me souviens bien, 2 800 €, quelque chose comme ça, avec 11 000 km. Et franchement, le propriétaire qui l'avait auparavant a vraiment été très 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 méticuleux donc sur sa machine. Voilà, moi je vais reprendre la route, je vais rentrer, donc le temps se couvre un petit peu, mais bon, je suis pas très très loin. Voilà, prochaine vidéo très prochainement sur la chaîne. Merci de t'y abonner, en tout cas si elle te plaisait tant mieux. Il y aura de belles choses à venir hein. On va travailler aussi sur des projets road trip, et en tout cas projet road trip les Vosges, courant du mois de juin, 5 jours, 6 jours, la route des Crêtes, on va partir ensemble, et je serai, camion qui passe, voilà, je serai certainement accompagné théoriquement par un ami, et on vous promet en tout cas que des belles choses. Tant que moi, bien, je vais prendre la route, je vais essayer d'en profiter pour faire quelques plans de drone. Alors, je te souhaite de prendre bien soin de toi, et on se retrouve très prochainement donc pour de nouveaux sujets en 125, balade ou autre chose. À très très bientôt. Salut.